Ce soir, nous nous arrêtons donc sur la figure de Noé et l'événement du déluge, qui, comme vous le savez, court entre les chapitres 6 et 9 du livre de la Genèse. Je ne vais pas vous faire un récit du déluge que vous connaissez bien, bien qu'il serait sans doute très utile de s'arrêter sur les nombreux détails contenus dans ce fameux récit, car ils sont souvent pittoresques et sans doute riches de symbolisme sur lesquels il serait bon de s'arrêter. Le récit du déluge est normalement bien circonscrit dans la narration biblique, puisqu'il commence avec une formule fameuse qui, normalement, scande l'ensemble des récits de la Genèse. Voici la génération de Noé. Toledos, ne Toledos, Noah. Normalement, à partir de cette phrase-là, on considère que le texte déroule le récit du déluge dans sa version sans doute transmise d'une version antérieure. Mais ce qui est intéressant dans le texte biblique, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter simplement sur l'épisode proprement dit du déluge, mais aussi sur deux petits épisodes qui encadrent le déluge et qui sans doute constituent la clé d'intelligence de cet épisode. En effet, avant le déluge, la Bible raconte comment l'humanité tout entière était devenue corrompue, et cela du fait, eh bien, du commerce de ceux qu'elle appelle les fils de Dieu avec les filles des hommes. Et que du fait de ce commerce étaient nés des hommes extraordinaires, des géants, selon la traduction habituelle, même si le terme c'est Néphilim, qui signifie plutôt des déchus. Bref, des hommes extraordinaires, bons ou mauvais, en tout cas qui ont laissé leur nom dans l'histoire, c'est ainsi aussi qu'ils sont qualifiés, et qui sont sans doute la cause profonde de l'état de corruption dans lequel l'humanité, et pas seulement l'humanité, toute la terre habitée avec les animaux, eh bien, va se trouver en situation de corruption telle que Dieu va vouloir détruire cette humanité et l'ensemble du règne animal. Alors, pourtant, le texte n'établit pas une relation de causalité, mais le simple fait que le grand déluge soit précédé de cette introduction laisse bien sûr comprendre que l'état de corruption dans lequel était tombé le monde est dû fondamentalement et en amont à précisément ce commerce étrange entre les fils de Dieu et les filles d'hommes. Et à la fin, de même, l'épisode du déluge est conclu par un autre petit épisode qui ne concerne plus le déluge mais qui concerne la descendance de Noé. À savoir que Noé, ayant découvert le vin, se trouve piégé par sa propre invention et du coup s'enivre. Et suite à son enivresse, à son enivrement, eh bien, ses fils le découvrent nu. Et au terme de cette découverte, Noé maudit son fils Cham, qui est supposé être le cadet, et en fait, il fait retomber cette malédiction sur le fils même de Cham, qui est Canaan. Autrement dit, le déluge, qui était supposé être le grand épisode de nettoyage de l'humanité, est encadré par deux événements. D'une part, la cause lointaine ou profonde de la corruption de l'humanité, et à la fin, par la malédiction des propres descendants de Noé. Ce qui fait que il semble que le déluge doit être lu
et c'est ce que je ferai avec vous, avec cet épisode en introduction et cet autre épisode en conclusion. Et que si on n'en fait pas mention, sans doute on ne comprend pas le sens du déluge. Alors aujourd'hui, évidemment, comme je l'ai dit, je ne m'arrêterai pas sur le détail du récit, je m'arrêterai sur des généralités essentielles, je m'arrêterai sur la situation proprement littéraire de l'épisode du déluge, tel qu'il nous est présenté dans la Bible. Ensuite, sa situation chronologique, la question de sa vérité ou sa effectivité dans l'histoire. Et puis ensuite, je m'arrêterai sur ce qui habituellement est oublié et qui est pourtant l'essentiel, ou en tout cas le terme vers quoi tend l'épisode du déluge, qui est la fameuse alliance que Dieu scelle avec Noé après le déluge. Cette alliance a une grande importance spirituelle et il est bon qu'on s'y arrête. Alors le déluge, comme vous le savez, a pour protagoniste essentiel un certain Noé. Comme je l'ai dit, apparemment, dans le texte biblique, il a une unité littéraire bien délimitée par la fameuse formule « Voici la génération de Noé », qui sans doute renvoie, comme je l'ai dit, à des versions orales antérieures. Mais le plus important, c'est bien sûr de se dire et de reconnaître que ce texte littéraire, qui est le nôtre et qui désormais fait partie de la Bible, eh bien, est en correspondance avec à peu près 150 autres récits de déluge dans toutes les littératures du monde. Ça n'a rien d'un texte original du point de vue anthropologique, puisqu'il n'y a pas de nation, il n'y a pas de peuple qui n'ait pas produit un récit de déluge. Alors de ce fait-là, on peut tirer deux conclusions. Ou bien on considère précisément que le récit du déluge ne renvoie à rien parce que tout le monde en parle. C'est-à-dire que ce serait un récit qui naîtrait comme naturellement de la constitution humaine. Et qu'en vertu des lois de l'anthropologie, chaque peuple, quel que soit son méridien, eh bien, produirait des récits qui expriment des lois fondamentales de l'homme. Le thème donc des eaux diluviennes, du nettoyage de l'humanité, de la corruption généralisée, de la destruction du mal et de la régénérescence de l'humanité seraient des formes anthropologiques absolument irrépressibles et qui en rendraient raison de ce que toutes les peuples aient produit un récit de déluge. On peut bien sûr aussi renverser totalement l'argument et dire que non, précisément, le fait qu'il y ait tant de récits de déluge prouverait que cela renvoie à un événement réel et que bien que chaque peuple ait donné une certaine version de cet événement, il est resté inscrit dans la mémoire des peuples et c'est la raison pour laquelle tous en rendent témoignage. Donc cette multiplicité des récits sur le déluge peut être pris dans un sens comme dans l'autre, comme une preuve de la véracité du déluge ou au contraire, selon une théorie psychologique particulière, comme la démonstration de son inanité. Pour ce qui nous concerne, nous, lecteurs de la Bible, on ne peut pas faire l'impasse sur les récits de déluge qui existent dans le Moyen-Orient, et particulièrement dans la Mésopotamie. Effectivement, le récit de la Bible, non seulement a des correspondants mésopotamiens, mais même de très très fortes ressemblances avec les fameux textes mésopotamiens. Si bien que on peut considérer que le texte biblique a été littéralement
emprunté à la tradition ou aux traditions mésopotamiennes. Parce que véritablement, il y a de très nombreux détails communs. Mais en même temps, le texte biblique est irréductible aux versions mésopotamiennes, comme d'habitude. Si bien que, là encore, on ne sait plus qui vérifie qui. Est-ce que c'est la Bible qui vérifie les textes mésopotamiens ou c'est l'inverse, les textes mésopotamiens qui vérifient le déluge? Dans tous les cas, ce sont des textes assez proches, avec en même temps des différences irréductibles. Dans le cas donc de la Mésopotamie, le protagoniste du déluge porte différents noms qui ne sont pas justement celui de Noé. Chez les Akkadiens, il est appelé Utnapishtim. Et semble-t-il, cela signifierait celui qui a longue vie. Vous reconnaissez peut-être derrière le phonème napash, le mot nefesh qui veut dire l'âme, le souffle. Et donc le nom ici signifie évidemment pas un nom réel, c'est un nom qui qualifie le personnage d'après un critère important et qui effectivement est commun à tous les récits mésopotamiens, à savoir que le héros du déluge parvient à l'immortalité. Dans la Bible, Noé meurt, comme tout le monde. Certes, il meurt à 930 ans, mais comme les autres, il meurt en un mot, Wayamuth. Il n'est absolument pas fait mention de son éternisation. Et pourtant, nous savons que dans la Bible, Noé est qualifié dès la première ligne, par des termes importants, qu'il était un homme juste et intègre, tzadik ou tamim, et par conséquent, qu'il était digne, précisément, de mériter la vie éternelle. Mais la Bible n'attribue pas à Noé la moindre éternisation. Nous savons que parmi les patriarches les premiers, c'est Enoch qui bénéficie d'une envolée céleste. C'est le seul. Alors que en Mésopotamie, le personnage qui semble correspondre à l'Enoch biblique et qui est le fameux Wana Adapa, lui-même disciple ou descendant des Anunnaki, qui est le véritable prêtre-roi idéalisé du culte mésopotamien, lui, en revanche, dans les traditions mésopotamiennes, commence bien une envolée au ciel, mais on sait, par les tablettes qui nous sont parvenues, que ça se finit mal. Enfin, on ne connaît pas non plus les tablettes qui suivent, parce qu'évidemment, ce sont de petits extraits. Et donc, Wana, en effet, est invité à aller au ciel, il est invité à consommer un arbre pour obtenir l'immortalité, mais pour une raison un peu obscure, finalement, il n'y arrivera pas. Donc c'est tout à fait l'inverse de l'Enoch biblique, qui lui est ravi par Dieu, parce qu'il était justement droit, c'est-à-dire parce qu'il marchait selon les voies de Dieu. À l'inverse, Noé, qui est dit dès le départ, marcher selon les voies de Dieu, eh bien meurt dans la Bible, alors que dans les récits mésopotamiens, il bénéficie alors non pas d'un anciennement comme Enoch, mais d'une retraite dans le paradis des dieux, les dieux entendus ici, le lieu d'origine de l'humanité, et où les hommes étaient encore divins ou divinisés et communiquaient avec Dieu. Et nous savons qu'il s'agit pour le coup de l'Arménie, du haut de l'Ara. Nous le savons pourquoi ? Parce que un des récits mésopotamiens, qui a précisément pour personnage Utnapishtim, c'est la fameuse épopée de Gilgamesh. Cette épopée, c'est une épopée qui se présente comme tardive par rapport à Utnapishtim. C'est l'épopée d'un roi qui désire obtenir l'immortalité.
et donc qui va à la recherche d'Utna Pishtim, en remontant précisément la Mésopotamie jusqu'à l'Ararat, afin de pouvoir le rencontrer et accéder à la plante qui offre l'immortalité. Je vous ai donné ici le texte en français, puisque c'est à l'occasion de la rencontre de Gilgamesh avec Utnapishtim, Utnapishtim raconte le déluge. Donc la version que nous avons du déluge fait partie du dialogue entre Gilgamesh et Utnapishtim. Sauf que là aussi, Gilgamesh, selon le récit acadien, eh bien, acquérera effectivement la plante de jouvence pour pouvoir bénéficier de l'immortalité, mais par une bourde dont il est seul digne, eh bien, il va la perdre. Alors, de sorte qu'il reviendra chez lui mortel. Voilà. Enfin, je ne vous raconte pas le détail, vous pourrez lire de vous-même comment ça se passe. Donc, ce thème de l'éternité ou éternisation du héros du déluge n'apparaît pas donc, dans la Bible. Noé meurt comme tous les grands patriarches descendants d'Adam, à l'exception d'Enoch, auquel pourtant il ressemble tant. Nous avons d'autres récits, donc les Babyloniens, eux, appellent Noé, ou le héros du déluge, qui est le leur, Atrahasis. Et Atrahasis, ça voudrait dire donc le sceptre de sagesse, ça voudrait dire le très sage. Le très sage, c'est un titre qui lui est donné et qui correspond assez bien à la figure aussi d'Enoch, qui est supposé être le grand sage du culte divin. Mais dans les versions autres, celles des Sumériens, il est appelé Sizudra, et là, semble-t-il, Sizudra veut dire aussi la vie prolongée. Voilà. Donc ça veut dire celui qui a été éternisé. Nous avons aussi une version chaldéenne, écrite par un auteur contemporain d'Alexandre, qui s'appelle Bérose. Comme nous avons perdu ses ouvrages, Bérose est connu par des citations, et donc je vous en ai donné une ici, d'un auteur. Il y a plusieurs auteurs qui citent Bérose, mais ici c'est le plus fameux, c'est le fameux Alexandre Polystore, et donc il nous donne la version de Bérose, et Bérose appelle en grec, parce qu'il écrit en grec, en tout cas les textes nous sont parvenus en grec, aussi Xisoustros, donc semble-t-il, il a utilisé le substrat sumérien pour appeler son personnage. Tout ça, donc, nous renvoie un héros du déluge appelé Utnapishtim Sisuzdra Atrahasis chez les Mésopotamiens, c'est-à-dire ou le très sage ou l'éternel, l'éternisé. Autrement dit, il ne s'agit pas de son nom. Son nom réel nous est inconnu. Son nom réel nous est inconnu et nous n'avons pas de prétention plus grande que les Mésopotamiens. Lorsque nous-mêmes nous appelons Noé, Noé, en fait, il n'est pas sûr que l'on désigne un nom propre. Parce que Noé a aussi une étiologie qui est donnée dans le texte. Il est dit que Noé s'appelle Noé, alors en hébreu ça se prononce Noah, et ça vient de la racine Nar, parce que, dit-on, Dieu s'est reposé en lui. Et le verbe pour dire reposer, c'est Nar. Autrement dit, Noé est encore une fois qu'un titre pour signifier qu'il est celui en qui Dieu s'est complu, en tout cas reposé de sa colère et de son dégoût d'une humanité pervertie. Donc Noé est par ailleurs connu aussi en Mésopotamie, puisque dans la fameuse liste des rois sumériens que nous avons vue la dernière fois, dont je vous ai transmis le texte, eh bien nous avons vu qu'était noté un certain Nuwahu ou Nuwabu ou Nuwahu. Donc manifestement, eux aussi nommaient le dixième, parce que je vous rappelle que c'est le dixième patriarche après Adam,
du même nom que la Bible lui donne. Et donc, finalement, il y a là quelque chose de très concordant. Bien que dans les récits mythiques sur le déluge, ce personnage n'est pas appelé à partir de la racine Noah ou Noabou. Alors, c'est un des mystères. En tout cas, le personnage donc, de Noé existe parmi les personnages historiques de la Mésopotamie. Son histoire de déluge existe aussi, au moins elle nous est parvenue sous quatre versions. Noé est donc un personnage auquel les anciens prétendaient donner une authentique réalité. Non pas simplement parce qu'ils croyaient à leur mythe, mais parce que dans l'histoire qu'ils font de leur région, ils confessent à un moment donné un grand déluge qui a détruit l'ensemble des villes, ces fameuses cités-États qui ont été bâties en Mésopotamie. Donc, dans la liste des rois sumériens, vous avez, après la fondation d'Eridu, après la fondation de Badiria, de Larak, de Sipu, de Shurupak, dont le roi était Utu, Ubar Utu, et dont le fils est précisément, normalement, Utnapishtim. Et donc, Ubar Utu, c'est le père de Noé dans la version mésopotamienne. Après la fondation de Shurupak, en tout cas, advient le déluge qui balaya l'ensemble des cités-états de l'époque. Alors ici, bien sûr, on touche à un point extrêmement difficile du récit du déluge. C'est que dans la Bible, ce déluge a une prétention universelle. Il est supposé avoir frappé l'ensemble de la terre et d'avoir détruit l'ensemble du règne animal et l'intégralité de l'humanité. Alors l'expression « la terre », normalement, lorsqu'elle est lue de prime abord, signifie pour nous la planète Terre. Mais il faut savoir que dans l'Antiquité et dans le langage biblique, le mot terre a plutôt le sens de pays. Et donc une lecture régionale du déluge ne serait pas du tout contraire au sens du texte biblique. Le texte biblique ne se référerait pas à la destruction de toute l'humanité et de tout le règne animal, mais de toute l'humanité du pays et de tout le règne animal du pays. C'est-à-dire qu'en Mésopotamie, à un moment, tout est parti et a été balayé. Alors c'est une lecture réductrice, mais pas impossible. Ça voudrait dire dans ce sens que le déluge biblique, comme en tout cas la liste des rois sumériens, se réfère à un événement seulement régional et non pas planétaire. Malgré, pourtant, l'ambiance du texte et sans doute sa prétention à l'universalité. Et donc ici, la question qui nous travaille, c'est de savoir si nous pouvons donner effectivement une réalité à un tel déluge. Eh bien oui et non. Oui, parce que lorsque l'on fait l'étude archéologique des fameux cités-états de la Mésopotamie, eh bien nous trouvons en effet dans les couches archéologiques, eh bien une bande de limon qui témoigne de ce que ces villes ont été balayées par les eaux. C'est le cas effectivement de la fameuse Ur, de la plus fameuse Uruk,
C'est le cas de Shurupak, dont parlait la liste sumérienne des rois, mais c'est aussi le cas de Girsu, et semble-t-il aussi de Ninive et de Babel. Alors ce ne sont pas toutes les villes, c'est un problème. Mais c'est quand même pas mal de villes qui témoignent clairement d'avoir été, à un moment ou à un autre, totalement submergées par les eaux. Alors je vous ai mis ici en image la stratigraphie de Wulé, qui est celle de Uruk, et on voit très bien à peu près 4 mètres de limon, c'est pas peu. 4 mètres de limon qui témoignent assurément de ce que les eaux ont véritablement submergé la région, avec une autre petite difficulté. C'est qu'en dessous du limon, on trouve de la cendre, ce qui suppose que donc Uruk a été brûlé avant d'être immergé. Alors, c'est bien sûr un problème, c'est parce que dans le récit biblique, il n'y a aucune mention du feu, il n'y a que la mention des eaux. Alors les eaux viennent, notez-le, c'est important, viennent de deux directions dans la Bible. Elles viennent du sol et elles viennent des cieux. Donc c'est un événement, si on veut lui donner de la réalité, qui suppose d'être un petit peu étudié. Comment se fait-il que les eaux viennent d'en dessous, c'est-à-dire qu'il y a eu forcément un phénomène de type sismique qui a poussé les eaux du sol, des geysers, des tsunamis d'un côté, et de l'autre, les eaux sont dites tombées des fameuses réserves du ciel, et la Bible aussi parle du fait que les eaux tombent sous la forme de pluie, parce que c'est pas la même chose que les eaux tombent des réservoirs du ciel, et que la pluie, elle, dure pendant près de 9 mois. C'est pas la même chose. Ça peut être une petite pluie qui persiste en plus ou à côté de moments où des troncs d'eau tombent. Alors tout ça pour dire que la description des eaux qui submergent le déluge, pardon, qui submergent la terre dans la Bible, est complexe. Et que la réalité archéologique parfois des villes submergées, que l'on arrive à identifier, l'est aussi. Alors il y a un autre problème qui se pose, c'est que sans doute on a identifié près de 6 villes submergées, sauf qu'elles ne sont pas submergées au même moment. Et notamment, je vous ai mis le petit tableau qui montre que si le déluge de Ur est bien antérieur à celui de Shurupak. Pourquoi ? Parce que celui de Ur se trouve entre deux types de poteries, qui sont les poteries Obeid et les poteries Uruk, alors que le déluge de Shurupak se trouve entre deux autres types de poteries, celles de la dynastie ancienne 1 et 2. Donc cela implique quoi ? Ben, ça implique que la Mésopotamie a connu plusieurs déluges. Et ça peut aussi rendre compte des différentes versions que nous avons du déluge. Cela peut rendre compte aussi du fait que le déluge de la Bible ne prétend pas être unique absolument, mais veut rassembler en une seule mémoire ces différents déluges. J'ai parlé du feu tout à l'heure à sujet de Ur, et effectivement, feu peut aussi s'apparenter à sécheresse. Et par exemple, je vous ai mis dans une autre version, celle que j'ai mis dans le coin, qui est appelée The Table of Covenant, qui est une version mésopotamienne, une autre encore, du déluge. Il est précisément dit que avant que les eaux ne s'abattent, les hommes et les animaux souffraient de la famine. Donc on peut imaginer qu'il y a eu un épisode de chaleur très intense qui a pu produire l'incendie de la ville aussi,
outre la famine, et puis après une très haute chaleur, un phénomène de trombe d'eau qui a emporté la ville. Tout ça pour dire que le déluge, donc, ou les déluges de Mésopotamie, se trouvent existants. Alors, le problème, c'est qu'ils ne sont pas unifiés dans le temps, et que donc le récit biblique, lui, dans la mesure où il prétend ne parler que d'un unique déluge, avec une connotation très universelle, se référerait sans doute à tous ces petits déluges qui ont marqué la Mésopotamie, mais peut-être à encore davantage. Et donc l'enquête nous pousse à aller chercher un déluge non pas seulement régional, mais pourrait-on dire continental. Et alors là, pour le coup, l'archéologie est assez dirimante, parce que dans la chronologie de la Bible, où normalement Noé est supposé vivre autour de 3000, donc au cours du 4e millénaire, il n'y a absolument aucune trace d'un déluge à grande échelle. Je vous rappelle que j'ai dit que Noé est à 3000, encore est-ce seulement parce que nous avons adopté le compute grec, puisque selon le compute hébraïque, massorétique, eh bien Noé se trouverait à peine à 2000. Et du coup, alors là, vous ne trouvez même pas de déluge, même régional, et encore moins local. C'est très compliqué. Et donc, un déluge continental au 4e millénaire, inexistant. En revanche, vous avez peut-être dû entendre parler d'une hypothèse qui a été lancée et qui a été appelée le déluge de la mer Noire, et qui, du point de vue chronologique, se situerait vers 7500 dans la chronologie, bien sûr, standard. Alors, ce déluge est repérable par le fait que dans la cuvette de la mer Noire, il y a une succession de couches propres à de l'eau douce et à de l'eau de mer. Et cette succession ne veut dire qu'une seule chose, c'est qu'à un moment ou à un autre, eh bien, la mer Méditerranée s'est déversée dans la mer Noire, et puis je ne sais pas pourquoi, la mer Noire elle-même s'est redéversée dans la Méditerranée. Résultat des courses, un tel déplacement d'eau, au niveau bien sûr du pont Euxin, eh bien, implique forcément l'inondation de l'ensemble du plateau anatolien et surtout de toute la région qui est autour de la mer Noire, c'est-à-dire toute l'Ukraine et puis toutes les régions d'en dessous. Un tel déluge est manifestement de grande échelle et donc pourrait rendre compte d'un très grand traumatisme et puis surtout d'avoir détruit la faune de l'époque. Le problème, c'est qu'il n'atteint pas la Mésopotamie. On a beau vouloir secouer les eaux des deux mers, ça n'arrive pas jusque à la Mésopotamie. Alors Mésopotamie, pour les déluges locaux, hein, ces petits déluges, aujourd'hui, il y a pas mal de recherches qui vont dans le sens de météorites. On vous montre des mini-cratères qui ont eu lieu. Pour ce qui est des énormes météorites qui correspondent à l'an 3000, il y en a un, il est tombé à Madagascar. Et là, effectivement, il est énorme et il est sous l'eau. Et donc, on pourrait s'imaginer que ce soit les eaux du golfe, là, qui soient remontées et qui aient emporté la Mésopotamie par l'eau. En tout cas, là, le cratère, il est visible et il est énorme. Et donc, quand c'est tombé, nécessairement, ça a secoué tout autour. Mais tout ça, bien sûr, ne sont que des hypothèses. Et de toute façon, il ne s'agit encore là que de déluges au mieux continentaux. Quant à un déluge
planétaire, eh bien, le dernier que l'on peut citer, c'est celui que désormais on situe à l'époque d'une modification de la situation climatologique de la Terre, que l'on appelle le Dryas récent. Et la date de cet épisode, c'est 10 500 et 9300. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du fait qu'on se trouve à la fin de la période de déglaciation. Donc normalement, l'ensemble de l'Europe a été libérée des glaces. Donc, les eaux ont eu le temps de assez bien s'écouler. Sauf que, on ne sait pas pourquoi, à un moment, la déglaciation a été comme interrompue. Et pendant près de 800 ans, il y a eu un refroidissement brusque de l'ensemble de la planète. Alors comment on le sait ? Ben, on le sait parce que quand on creuse les glaciers, on fait des carottages, eh bien on s'aperçoit, en fonction de la densité d'air et de particules, que pendant 800 ans, à ce moment-là, il y a eu un retour violent du froid. Jusqu'ici, bien sûr, on a échafaudé différentes hypothèses pour essayer de rendre compte de ce phénomène. En fait, très tôt, on a émis une hypothèse que je vais défendre parce que, bien qu'elle ait été émise très tôt, elle a été aussi longtemps combattue jusqu'à ce que, ces derniers temps, elle retrouve la faveur, en tout cas, d'un certain nombre de savants. À savoir que pour que l'ensemble de la planète se refroidisse de manière brutale et de manière aussi drastique, eh bien il faut un import d'eau glaciale quelque part. Or, de la glace, eh bien à la fin de la glaciation précisément, il n'y en a plus beaucoup, sinon encore dans le nord, bien sûr, des continents eurasiens et bien sûr américains. Et la seule hypothèse pour que de la glace se soit ainsi déversée dans les océans et donc ait imposé un refroidissement brusque des océans et du fameux Gulf Stream, de telle sorte que l'ensemble de la planète immédiatement se soit refroidi, eh bien, il faut nécessairement que quelque chose de chaud soit tombé dessus. Et c'est pourquoi on a soutenu la thèse météorite, tout simplement. Pendant longtemps, elle a été combattue pour une raison fort simple, c'est que, justement, on ne trouvait pas le fameux cratère autour de 10 000 qui ait pu expliquer un tel phénomène. Pourtant, au nord des États-Unis, donc dans la région, dans l'État de l'Oregon, il y avait une formation rocheuse tout à fait particulière qui s'appelle Scab Land et qui est une formation qui ne pouvait pas être due à l'érosion. Donc, qui supposait une immense quantité d'eau qui avait rabaudé le sol, en sorte de créer des canaux comme ça, un peu partout, et de manière extrêmement rapide, c'est-à-dire pas du tout comme nos fameux canyons que l'on considère être le fruit d'une très longue érosion. Et là, c'est donc ce lieu-là que l'on supposait être le lieu d'impact de la météorite. Parce que bien qu'elle n'ait pas laissé de traces, et puisque c'était justement la calotte glaciaire qui protégeait le sol, néanmoins, le fait que les eaux aient drainé ainsi la roche était la seule explication
rationnelle ou raisonnable pour produire une quantité d'eau suffisante. On avait essayé avec les lacs qui se seraient déversés, mais même les lacs ne pouvaient pas apporter autant d'eau. Pour pouvoir rendre compte d'un phénomène aussi planétaire. Alors il faut comprendre aussi que si il y a eu un impact du météorite qui a chauffé la glace en sorte que des eaux glacées se soient abattues dans les océans de manière vertigineuse et en quantité extraordinaire, eh bien ça ne s'est pas passé dans la douceur. Parce que lorsque des eaux en telle quantité frappent les océans, eh bien cela provoque de l'autre côté des océans des tsunamis. Et les tsunamis provoquent d'autres tsunamis. Et ainsi, un tel événement n'a pu que provoquer des tsunamis en chaîne. Et c'est la raison pour laquelle on considère que c'est le phénomène du Dryas récent qui est la cause de l'autre phénomène que l'on peut observer pour la même période et qui est la disparition de ce qu'on appelle la mégafaune. Sachez que près de 40% des espèces animales ont disparu en un éclair. Voilà. Alors dans les films, vous voyez les tigres avec des grandes dents comme ça, ben ceux-là, ils sont partis au moment du Dryas récent. Les mammouths, les fameux mammouths que l'on voit courir en Sibérie, la patte levée, pris dans la glace, eh bien, pris dans la glace, c'est-à-dire que la glace est allée plus vite que les mammouths. C'est-à-dire que le refroidissement a été impressionnant. C'est à ce moment-là, c'est le fameux Dryas récent. Donc c'est l'extinction du Pléistocène, voilà. Et là, pour le coup, on peut véritablement parler d'un cataclysme planétaire. Le phénomène catastrophique n'est pas dû simplement à le fait des tsunamis en chaîne. Il est dû au fait aussi que lorsque un glacier se forme, naturellement, il se creuse. Et donc, il a sur le dessus une cuvette qui est remplie d'eau. Donc, dès que la cuvette est fêlée ou cassée, évidemment, vous avez de l'eau qui tombe en plus de dessus le glacier. En plus, il faut savoir qu'un glacier, c'est lourd et que la terre est meuble. Et par conséquent, il y a un phénomène qu'on appelle l'isostasie. C'est-à-dire, à l'endroit où se trouvent les glaciers, les plaques tectoniques sont basses, elles sont écrasées par le glacier. Mais si le glacier saute, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les terres remontent. Et donc, lorsqu'elles remontent, eh bien, elles font surgir des geysers d'en dessous, elles provoquent des réactions volcaniques, et en remontant d'un côté, elles s'abaissent de l'autre. Et donc, ça provoque d'autres phénomènes sismiques de l'autre côté. Et sachez que nous ne sommes toujours pas sortis du rééquilibrage isostasique du Dryas récent. Il y a encore maintenant des régions qui montent et d'autres qui descendent parce que ça ne s'est pas encore tout à fait stabilisé depuis 10 000 ans. Donc aujourd'hui, on ne croit plus que le phénomène du Dryas récent, qui a duré à peine 800 ans, ait été un phénomène absolument doux et tranquille, mais au contraire absolument catastrophique. Et catastrophique deux fois, c'est-à-dire lorsque la fameuse météorite a frappé la couche de glace et a ainsi refroidi l'ensemble de la planète, et puis surtout ensuite lorsqu'elle s'est réchauffée, parce qu'une fois que le phénomène est passé, elle s'est réchauffée aussi vite qu'elle s'était refroidie. Et donc le réchauffement a provoqué quoi? Eh bien la fonte subite de toutes les eaux qui avant avaient été regelées à cause du Dryas récent. Et donc, en principe, on considère qu'il y a eu deux phénomènes cataclysmiques à l'entrée et à la sortie du Dryas récent et qui est la cause de l'extinction de la mégafaune
du Pléistocène. C'est une hypothèse qui est rationnelle par rapport aux quantités d'eau et aux mécanismes que cela implique, mais surtout ça a été remis à la mode parce que on a découvert désormais eh bien, la traînée de la météorite en question. À savoir qu'une météorite a une queue qui est brûlante. Et on a trouvé effectivement que sur un axe qui allait du nord des États-Unis jusqu'à le sud du Moyen-Orient, donc grosso modo jusqu'à la Mésopotamie, eh bien, il y avait de la matière vitrifiée en diagonale. Et sur ces deux à trois continents, continent américain, européen et asiatique au sens levantin. Et une matière vitrifiée qui contient ce qu'on appelle des nanodiamants et puis aussi d'autres matières qui ne peuvent venir précisément que du ciel et qui surtout supposent que la matière a été élevée bien au-delà de 2000 degrés Celsius, ce qui n'est possible que par un phénomène de type météorite. C'est-à-dire qu'un incendie ne s'élève pas à de tels degrés. Et donc, depuis la mise en évidence des nanodiamants, de la matière vitrifiée, on est aujourd'hui de plus en plus convaincu qu'en effet, le Dryas récent a été dû au passage du météorite qui a frappé la Terre et qui a ainsi causé un déluge universel. Sachant qu'en plus, il ne s'agit que d'un morceau et que les morceaux restants tournent et qu'aujourd'hui, ils sont tout près de nous pour nous visiter. Donc normalement, les années de passage, c'est 27 et 34. 27 dans un sens et 34 au retour. Et donc, les puissances américaines, parce qu'il y a quelles qui sont capables de ça, ne cessent de chercher des moyens à éviter, bien sûr, les conséquences catastrophiques du passage de cette météorite si elle venait à frôler, ne serait-ce que frôler notre Terre. Donc, ils travaillent à envoyer des fusées atomiques, enfin bref. Et voilà, ben on verra ça, on sera vivant, hein. C'est très bientôt. Normalement, celle qui passe en 27 passe suffisamment loin de nous. Le problème, c'est qu'au retour, à cause de l'attraction, eh bien, il se pourrait qu'au retour, elle passe très proche de nous. Voilà pour ce qui est donc d'un déluge universel. Le problème, c'est qu'on parle ici de 10 000 ans. Est-ce que l'humanité pouvait conserver dans sa mémoire un phénomène tel ? Je vous rappelle que l'humanité le pouvait parfaitement. Je vous rappelle que Lascaux, c'est 14 000 ans. Chauvel, c'est 35 000 ans. Donc nous avions une humanité exactement comme nous. Aucune différence, Homo sapiens en pleine forme, qui ont été donc témoins du Dryas récent. Et donc l'idée d'un déluge universel a pu habiter les consciences de l'humanité, en plus bien sûr de tous les petits déluges locaux, régionaux, continentaux qui se sont succédés en plus. Alors, quel rapport avec Noé et la Bible ? Eh bien, le rapport, c'est que la Bible, elle, sans doute se réfère, si on la situe dans le contexte mésopotamien, à un déluge local, mais la puissance du texte et la volonté théologique du texte, c'est bien de désigner une réalité planétaire. Et autrement dit, le texte prétend être comme un condensé de tous ces déluges qui ont eu lieu, avec un personnage qui est connu dans l'histoire, autour de 3000, qui, lui, à son échelle, eh bien, revit ce qui a déjà été vécu autrefois, et à travers ce que lui vit et ce que
l'humanité a connu dans des épisodes antérieurs, se dégage une leçon théologique. Évidemment, n'oublions pas que la Bible est un traité de théologie avant tout. Donc le déluge de Noé est à la fois vrai et faux. Il est faux au sens où c'est pas en 3000 qu'il y a eu un déluge planétaire, non. Mais en 3000, il y a eu sans doute un déluge local qui était à une petite échelle, ce que l'humanité a connu bien des fois, enfin en tout cas au moins une fois il y a 10 000 ans, et la planète elle-même bien d'autres fois encore auparavant, et qui porte de toutes les manières un sens théologique. Alors ce sens théologique, c'est bien sûr la fragilité de l'existence humaine, une fragilité qui met en relation la rectitude morale de l'homme et l'ordre du cosmos. Un ordre du cosmos qui est dans les mains de Dieu et qui n'a lui-même de raison d'être que en fonction de la rectitude morale de l'humanité. Si les hommes, et dans la Bible, dans la Genèse, c'est pas seulement les hommes, mais c'était aussi les animaux qui étaient devenus pervers. Pervers, c'est-à-dire qui suivaient des voies qui ne sont plus celles de la nature. Donc c'était non seulement l'homme et les animaux qui étaient dévoyés, si donc il devait se faire que l'humanité retourne à un tel état, eh bien Dieu aura toujours, lui, la possibilité de rendre justice en mettant fin à un monde pervers. Voilà le sens théologique fondamental. En plus, évidemment, il y a une théologie du sauvetage, une théologie du salut à l'intérieur du cataclysme. Dieu assure à ses justes, malgré les tribulations de l'histoire, eh bien de parvenir au salut auprès de lui. Alors un salut qui peut-être ne sera pas toujours un sauvetage physique des conditions de l'existence, mais qui en tout cas sera un salut de son âme. Voilà évidemment le sens fondamental, parce que la Bible, bien qu'elle n'en fasse pas beaucoup apparemment usage, répond néanmoins à une logique cyclique, c'est-à-dire ce qui est vécu un temps est la répétition typologique de ce qui a vécu, existé autrefois, et est la base théologale pour comprendre ce qui adviendra plus tard. C'est dans tout ce contexte-là qu'il faut appréhender le déluge de Noé, et en ce sens-là, eh bien, le déluge de Noé est historiquement et théologiquement vérifié, vrai et authentique. Et c'est la raison pour laquelle le déluge aboutit à une alliance. Et sans doute cette alliance est véritablement le but de tout le récit du déluge, et c'est sans doute la partie la plus intéressante. Une alliance que, en général, on ne lit peu ou pas du tout, et qui pourtant mériterait aujourd'hui, d'autant plus que nous sommes au seuil d'une grande crise planétaire, de bien vouloir prendre attention. L'alliance que Dieu scelle au terme du déluge est une alliance qui ne concerne pas seulement Noé, mais qui concerne justement le règne animal. C'est une alliance passée à trois, et elle concerne le rapport que précisément l'homme a avec l'ensemble du règne animal. Cette alliance est la deuxième, selon le récit biblique, après la première alliance qui était celle d'Adam.
Donc Adam ayant été créé, on peut considérer que l'état dans lequel il se trouve du fait de la création constitue une alliance. Et en raison de sa déchéance et de la déchéance de toute l'humanité, toutes les alliances que Dieu va ensuite sceller sont comme autant d'actes de recréation réalisés par Dieu pour sauver l'homme. Alors j'ai insisté sur le rapport entre alliance et création parce que le mot alliance en hébreu, qui est berit, vient de la racine bara, et que c'est cette racine-là qui est utilisée aussi pour la création, pour dire créer. Et donc, dans les deux cas, alliance et création sont des termes qui se renvoient l'un à l'autre, en tout cas dans le cadre de la littérature biblique. Créer, c'est poser une alliance, et poser une alliance, c'est recréer. Et alors, de ce point de vue-là, Dieu va réaliser avec Noé une restauration de l'ordre de la création, sans doute pas une restauration comme un retour à zéro, ça c'est pas possible, mais quand même, il va réaliser quelque chose d'important pour que la création puisse de nouveau être rétablie dans l'amitié divine. Alors, l'élément essentiel, bien sûr, de chacune de ces actes d'alliance que Dieu scelle est tiré de l'ordre proprement dit de la création. Or, l'ordre de la création, nous le connaissons, c'est celui qui ressort précisément des six jours génésiaques. Dieu a créé le monde en six jours, c'est-à-dire en six étapes, c'est-à-dire en six actes fondamentaux qui définissent six dimensions fondamentales du réel. Et par conséquent, les alliances que Dieu va réaliser au cours de l'histoire, comme autant de restauration de la création, ce sont à chaque fois des actes de restauration, eh bien, de une des dimensions fondamentales de l'acte génésiaque de la création. Le déluge, rappelez-vous, est en lui-même un paradoxe, parce que Dieu déclare qu'il est dégoûté de sa création à cause de la perversion des hommes et même des animaux. Et au terme du déluge, Dieu se repent d'avoir détruit sa création. Et il déclare formellement qu'il ne recommencera jamais un tel acte de destruction. Or, si Dieu ne veut jamais revenir à un acte de destruction, cela veut dire qu'il va être obligé d'assumer le mal présent dans la création. Parce que c'est vrai qu'il a exterminé tout le monde, mais il a quand même conservé l'ensemble du règne animal, sans doute réduit à un petit couple. Il a conservé une famille, et nous voyons que, à peine le déluge terminé, déjà, ça se passe mal en famille, et on a abouti à la malédiction de la descendance de Cham. Autrement dit, Dieu sait très bien que si il ne veut plus détruire le monde, parce qu'il veut sauver le monde, il est obligé d'accepter que le mal soit toujours présent dans le monde. Et c'est cela un des points essentiels de l'alliance noachique. C'est que le mal fait désormais partie de l'histoire. Dieu ne reviendra plus sur le fait que le mal est présent. Il va simplement l'assumer afin de le transformer en une histoire sainte. Comment va-t-il faire? Eh bien, il va établir une nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'il va
opérer au niveau d'une certaine dimension du réel qui, semble-t-il, sera suffisamment efficace pour ceux qui le veulent bien, afin de sauver l'homme du mal et le réintégrer dans un état quasi originel d'amitié avec. Alors, dans le cas de Noé, comme c'est la première action de restauration de l'ordre créatural après la chute d'Adam, nous sommes donc par rapport à la structure génésiaque de la création au deuxième jour. Je vous rappelle que le premier jour de l'ordre génésiaque est consacré essentiellement à la lumière. Et par conséquent, ça veut dire que la dimension fondamentale du cosmos et de l'être que lors de la création adamique mettait en exergue, c'est la conscience humaine, illuminée par la lumière de Dieu. Mais à partir du moment où l'homme a péché, avec précisément la consommation de l'arbre, et donc qu'il est tombé dans l'état d'enténébrement, à ce niveau-là, Dieu ne peut plus rien faire. Il va donc passer, à partir de Noé, à une autre intervention qui répond à une autre dimension de l'ordre créatural. Et de quel ordre s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la chair. Effectivement, nous ne sommes pas que des consciences désincarnées. Nous ne sommes pas que des intelligences. Il n'y a pas que l'intelligence à sauver, évidemment. Dieu le fait, il le fait par en visitant les hommes. Donc, l'exemple parfait, c'est celui de Cain. Cain va recevoir un signe que traditionnellement on pose sur son front, en signe de ce que son intelligence va être sauvée malgré tout, malgré le mal, par la lumière de Dieu. Mais il y a encore la chair à sauver. Et c'est le sens profond de l'alliance noaque. Alors le deuxième jour génésiaque, rappelez-vous, c'est d'après la première page de la Bible, eh bien la division des eaux. Donc l'affaire de Noé, c'est la même chose. On barbote dans les eaux. Dans le jour génésiaque, il s'agit de la division entre les eaux d'au-dessus et les eaux d'en bas, et leur séparation par le firmament. Nous avons vu que l'intelligence du texte nous renvoie au mystère du monde invisible dans lequel vivent les anges et au monde visible dans lequel vivent les animaux. Et parmi les animaux, l'homme, et qu'il y a entre le monde invisible et le monde visible, il y a un principe de séparation que la Bible appelle le firmament, mais en se rappelant que firmament veut dire ce qui est ferme, c'est-à-dire qu'il y a un principe de séparation qui définit tout simplement l'ordre du monde, de telle sorte que le monde invisible ne peut pas paraître dans le monde visible et le monde visible ne peut pas passer dans le monde invisible. Bien que, en réalité, le monde invisible et le monde visible sont absolument perméables l'un à l'autre. Ils sont absolument perméables, sauf qu'ils ne sont pas pour nous, en tout cas, à cause du péché et à cause du nôtre et celui des anges, il n'est pas évident, c'est-à-dire que nous sommes dans la situation de la perte de la vision du monde invisible. Il y a comme un voile qui vient séparer monde invisible et monde visible. Or, rappelez-vous, avant l'épisode du déluge, la Bible insiste sur
les raisons profondes de la corruption de l'humanité. Et ces raisons, c'était ces fameux fils de Dieu qui commercent avec les filles des hommes. Alors, il y a plusieurs interprétations, mais l'interprétation la plus commune, c'est donc effectivement de dire que avant que l'humanité ne soit perverse, ou en même temps, enfin qu'importe si c'est en même temps ou après ou à cause, ce sont les êtres célestes qui ont été pervers et qui ont justement franchi la ligne de démarcation entre le monde invisible et le monde visible. Et ils l'ont franchi en ayant commerce avec les filles des hommes. Avoir commerce avec les filles des hommes, ça veut dire quoi? Eh bien, ça ne veut rien dire d'autre que le fait que les anges, les êtres célestes, eh bien, ont exercé leur empire sur les êtres vivants, et plus particulièrement sur les hommes. Le commerce, entendez un commerce charnel, évidemment, qui normalement est impossible entre des êtres totalement immatériels et des êtres matériels, oui, à un premier niveau. Mais quand on se rappelle que la fonction des anges, c'est justement de gouverner le monde terrestre, eh bien ce commerce n'est rien d'autre que le fait que les anges aient abusé de leur pouvoir sur le monde vivant pour en tirer des choses qu'ils n'auraient pas dû en tirer. Ils ont fait, si vous voulez, des expériences génétiques, des expériences, ils ont trafiqué avec la chair humaine. C'est ça le sens. N'oubliez pas que nous sommes tous nés de l'union d'une âme et d'un corps. Les anges peuvent s'amuser avec les corps des hommes et y mettre des esprits autant qu'ils veulent, c'est pas un problème. Et ça fait des petits bébés extraordinaires. Et donc tout ça est bien sûr lié au mystère du deuxième jour génésiaque. À savoir que entre le monde céleste et le monde terrestre, il y a un firmamentum, une loi qui à la fois régit, bien définit le champ d'action du monde céleste sur le monde terrestre, mais aussi en le définissant, le limite. Et donc, les anges ou les mauvais anges, eh bien, ont transgressé cette limite. Ils ont utilisé de leur pouvoir technique sur le monde animal, et plus particulièrement sur la chair de l'homme, pour créer des êtres de renom, des monstres extraordinaires. Et c'est cela qui constitue le cœur du problème. Donc l'action de Dieu, en quoi va-t-elle consister? L'action de Dieu par rapport à la source la plus profonde du mal ici définie. Eh bien, elle va consister en ce que Dieu va imposer un nouvel ordre du monde. D'après la Bible, effectivement, Dieu dit qu'à partir de maintenant, eh bien, il y aura un nouvel écosystème, il y aura de nouvelles saisons, il y aura même la distinction du jour et de la nuit, ce qui fait dire à certains auteurs fondamentalistes qu'alors il n'y avait pas de jour et de nuit avant Noé. Enfin, en tout cas, ces expressions veulent seulement signifier que Dieu va mettre un terme. Il va limiter encore davantage l'intervention du monde angélique sur le monde animal, en redéfinissant eh bien, un écosystème fixe. On va entrer dans un certain fixisme. En tout cas, c'est ce que la Bible fait comprendre. C'est-à-dire qu'avant, les anges avaient, pourrait-on dire, un pouvoir plastique plus grand qu'il n'en a depuis Noé. Noé, donc, avec Noé,
Dieu, si vous voulez, jugule le monde angélique de telle sorte qu'il ne puisse plus y avoir du traficotage de la part des anges sur la chair de l'homme. C'est un point très important parce que nous, après maintenant 5000 ans de tout ça, nous sommes arrivés aujourd'hui au niveau de la capacité technique et plastique des anges de l'époque du déluge. Et donc nous sommes dans une nouvelle ère, évidemment, avec sans doute les conséquences identiques. Donc Dieu va, alors qu'avec Adam, la question du mal était au niveau de la lumière de la conscience, avec Noé, la question du mal est au niveau de l'intégrité de la chair. Parce que c'est dans la chair que nous vivons notre identité spirituelle et on ne peut pas trafiquer la chair sans faire sauter la conscience. Donc le déluge lui-même se présente comme un grand brassage des eaux, entendez, des ondes, un grand brassage des ondes, c'est-à-dire les ondes d'en haut, les ondes d'en dessus, tout est rebrassé pour aboutir à un nouvel ordre dans lequel les ondes d'en haut n'ont plus le même empire sur les ondes d'en bas, afin de préserver le monde d'éventuelles déviations par le haut. Au terme, d'ailleurs, de ce nouvel ordre, il y aura l'émergence, évidemment, d'un support, d'un lieu où il y aura une nouvelle station debout. De la même façon que le deuxième jour aboutit au troisième jour, qui fait émerger un continent qui rend possible la station debout. Alors, dans la Bible, Dieu dit qu'il veut détruire non pas seulement les animaux et les hommes, mais il utilise une expression, il dit il veut détruire tout être qui se tient debout. Voilà, un yekom. Alors, précisément, être debout pour pervertir le monde, ça n'a pas de sens, donc on mélange les eaux de nouveau avant de faire surgir une nouvelle possibilité de station debout. Comme et tout ça sur sur la stabilité d'un continent. Alors ça aboutira bien sûr avec la troisième alliance au pays d'Abraham sur lequel il peut se tenir debout. En tout cas, l'important donc d'abord, c'est que les relations entre les ondes d'en haut, c'est-à-dire le monde spirituel angélique, et les ondes d'en bas, c'est-à-dire la matière animale, ont été redistribuées afin de préserver le monde d'influences maléfiques antérieures. Dieu donc établit un nouvel écosystème plutôt fixiste par rapport au précédent, et à l'intérieur de cela, bien sûr, il veut rétablir une chair innocente, une chair renouvelée. Lorsque Dieu établit une alliance, donc il réalise une action au cœur de la création, destinée à la rétablir alors qu'elle a été perturbée, et il donne un signe. Et il va demander à l'homme aussi un signe. Et c'est dans la conjonction de ces deux signes que se réalise précisément l'amitié qui est le fruit de l'alliance. Alors, c'est très important, dans la Bible, dans cet épisode du déluge, on va effectivement avoir un signe de Dieu et un signe de l'homme. Le signe par lequel Dieu exprime qu'il a renouvelé la structure fondamentale du cosmos, c'est, vous le connaissez tous, c'est le fameux arc-en-ciel. Alors, ici c'est très important, que signifie l'arc-en-ciel?
Eh bien, c'est un rebond de la lumière du premier jour. Alors que la lumière pure était donnée dans la conscience, une conscience qui elle-même se vivait dans la chair, eh bien, Dieu montre qu'il a rétabli la chair en créant la diffraction de la lumière, en la démultipliant et en l'ouvrant et en révélant toute sa potentialité de couleur. Donc, l'arc-en-ciel signifie que le monde, malgré le voile du dame qui fait que nous ne pouvons pas voir le monde céleste, malgré que les rapports entre le monde céleste et le monde terrestre ont été repensés, et ils ont été un peu compressés et comme jugulés, néanmoins, le phénomène du monde reste beau de toute la beauté de la lumière. Et une lumière non pas blanche et pure, comme elle l'est dans notre conscience, une lumière sans couleur, mais justement une lumière déployée avec toutes ses facettes comme signe de l'état de réconciliation du monde phénoménal avec Dieu. Alors dans le texte, la formule est un peu étrange parce que Dieu, mais c'est un peu le style biblique là, c'est bon, anthropomorphique et puis aussi un peu de l'ordre de la prosopopée. C'est-à-dire que Dieu dit « j'aimais cet arbre pour que moi je me souvienne ». Évidemment que ce n'est pas pour que Dieu se souvienne, c'est pour que nous nous souvenions. Enfin, c'est important, il s'agit du signe de Dieu. Dieu offre à l'homme ce gage visible de ce que le phénomène du monde que nous percevons dans la chair, eh bien, est encore beau de sa splendeur première, malgré la redistribution du phénomène du firmamentum, c'est-à-dire de la loi de séparation entre le monde invisible et le monde visible. Et Dieu va demander à l'homme aussi un signe par lequel, non pas seulement il se souvient, mais il s'engage et démontre de son point de vue qu'il a bien compris que Dieu avait scellé une alliance qui concerne la chair. Et de quel signe s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la viande saignée. Effectivement, d'après la Bible, avant Noé, l'homme n'avait pas le droit de manger des animaux. Mais le mal allant bon train, l'homme est emporté dans la violence du cosmos et donc se met à dévorer les animaux autant qu'eux-mêmes s'entre-dévorent. Et pour la Bible, ça n'a rien de normal. Même si c'est irrépressible, même si c'est ainsi que le monde va, il faut d'abord comprendre que c'est ainsi à cause du péché. Et donc, dans l'alliance noachique, Dieu prend acte que désormais, on ne pourra pas ne pas manger des animaux. Et donc, au lieu de dire que c'est mal, il va dire « c'est pas bien, mais je te les offre ». Et il passe une alliance avec les animaux pour que les animaux s'offrent à l'homme comme aliment. Donc quand on est un croyant biblique, un vrai, eh bien on doit manger des animaux en conscience. Et non pas comme des païens qui ne savent rien. On doit savoir que si nous mangeons des animaux, c'est parce que nous avons été pardonnés de notre violence irrépressible. Et que les animaux se sont offerts à notre violence irrépressible par un accord de Dieu. Peut-être serez-vous choqué de ce que je dise que les animaux eux-mêmes se soient offerts. Alors, d'abord je dirais
que dans le texte biblique, Dieu parle aux animaux. Donc c'est comme si les animaux avaient suffisamment de conscience, d'autonomie personnelle pour pouvoir répondre à cette demande de Dieu. Si ça ne vous plaît pas, n'oubliez pas que le règne animal est géré par qui ? Par les anges. Et donc, à travers les animaux, c'est en réalité un accord, encore une fois, passé avec le monde invisible. Le monde invisible angélique, qui préside à la vie des animaux, eh bien, offre les animaux à l'homme et à sa violence irrépressible, parce qu'elle est pardonnée par Dieu. Et donc, c'est encore une fois un nouvel équilibre entre le monde invisible et le monde visible qui est réel. Donc, désormais, l'homme ne mangera pas des animaux sans savoir ce qu'il fait. Il en mangera en ritualisant sa consommation à travers un acte bien précis qui consiste à saigner la viande. Pourquoi ? Eh bien, la Bible dit parce que dans le sang se trouve l'âme, le souffle divin, la nefesh, et donc, en séparant le sang de la viande que nous mangeons, nous signifions que nous n'avons pas pouvoir sur la vie des âmes, sur la dimension psychique, au sens fort de la psyché du monde animal. Nous ne faisons que consommer leur chair. C'est donc un départage, bien sûr, de pouvoir sur les êtres, et en saignant les viandes, nous, bien sûr, signifions quelque chose aussi de l'ordre du visible et de l'invisible, parce que le sang, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la chair. C'est ce qui, normalement, n'est pas visible. Donc, en faisant apparaître le sang et en le séparant de la chair, on signifie par là que ce qui est invisible demeure domaine de Dieu et non pas domaine accessible à l'homme. Et aussi, bien sûr, on réalise un acte d'isolement de la chair pour que nous prenions toujours davantage conscience combien notre propre chair est constituée de la chair des animaux qui nous sont offerts par Dieu. Et que notre chair est un véritable médium fondamental de notre relation au monde et à Dieu. Et que c'est ici la chair des animaux qui nous est donnée comme constituant alimentaire, bien sûr, constituant de notre propre chair et donc de notre propre médiation avec Dieu et ensuite l'ensemble du domaine céleste. Alors cet acte de normalement de saigner les viandes, rappelez-vous, sera tenu par les apôtres, hein, même après l'avènement du Christ, même si l'Église ne s'y tiendra pas, pour une raison très simple, c'est que quand il faudra s'ouvrir aux païens, ou quand on se sera déjà ouvert aux païens, même si les apôtres imposeront aux païens de être fidèles à la fameuse alliance noachique, alors qu'ils leur permettront de ne pas être fidèles à l'alliance mosaïque, c'est-à-dire que dans l'absolu, ils reviendront même aux païens chrétiens de respecter l'alliance noachique malgré leur liberté par rapport à l'alliance mosaïque. Mais comme en réalité, le seul qui parle de l'alliance noachique, c'est Moïse, si je suis libre de l'alliance mosaïque, alors je suis devenu libre de l'alliance noachique. Mais fondamentalement, évidemment, les apôtres considèrent que l'alliance noachique est valable à l'intérieur du Christ. En réalité, évidemment, le Christ aussi, bien sûr, nous libère de cette question-là, parce que lui-même nous offre sa chair.
évidemment. Et donc là, le symbolisme lié à la consommation de la chair est récupéré, établi dans le Christ. Et donc le Christ est notre chair et donc celle des animaux. Et donc il n'y a plus besoin de ritualiser notre rapport à la chair des animaux. Je vous rappelle que dans la tradition judaïque, non pas dans la Bible, mais dans la tradition tardive du Talmud, les rabbins considèrent que Dieu a remis à Noé des lois, les fameuses lois noachiques, qui sont absolument les mêmes que celles de Moïse, mis à part qu'il n'y a pas encore le Shabbat, il n'y a pas encore la question de l'iconoclasme. Je vous les ai mises en hébreu et en anglais. La plus importante de toutes, c'est la dernière. Donc les rabbins disent que Noé a reçu 7 commandements. Le premier, c'est d'établir des jugements. Le deuxième, c'est de ne pas maudire le nom de Dieu. Le troisième, c'est de se préserver de toute perversion sexuelle. Le quatrième, c'est de ne pas tuer d'homme et donc de d'épancher son sang. Alors, ici, j'ai oublié de parler de l'homme, évidemment. La viande saignée, ça concerne les animaux, mais il n'y a pas du tout le même rapport avec l'homme. Ensuite, évidemment, de ne pas voler. Mais surtout, la dernière et la plus connue, enfin la plus pertinente, c'est qu'il ne faut pas, alors c'est ce que dit le texte, hein, c'est un peu étrange, il ne faut pas manger un membre d'un animal vivant. Ça paraît étrange, mais le sens de ce commandement est, lui, très clair dans la tradition. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire souffrir les animaux en aucune manière. Donc, lorsqu'on les tue, évidemment, pour consommer leur chair, et seulement leur chair, eh bien, on doit faire en sorte que ceci n'ait pas à souffrir. Donc, être sensible à la souffrance du monde animal. Aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, ça revient en force, mais avec des intentions qui ne sont sans doute pas aussi nobles. Mais néanmoins, c'est un thème qui, d'après les rabbins, remontait à l'époque de Noé, pour signifier précisément notre solidarité avec les animaux dans l'œuvre de notre propre salut et donc du salut de la création. Et donc les deux signes nous sont donnés. Dieu nous donne l'arc-en-ciel pour nous démontrer que l'ordre lumineux du phénomène est toujours dans sa beauté première. Le signe de l'homme en réponse à l'alliance divine, c'est de consommer la chair des animaux en la séparant du souffle de vie, afin de prendre pleinement conscience du caractère sacral, c'est-à-dire médiateur de la chair dans notre relation avec Dieu. Cette chair où justement remplir la lumière de son éclat. Alors la chair, évidemment, c'est pas simplement quelque chose relatif à l'alimentation, c'est bien sûr aussi quelque chose relatif à la sexualité. Alors, dans l'alliance noachique, on n'en fait pas mention. C'est pas ça qui est important. C'est la chair est traitée uniquement comme notre enveloppe dans laquelle nous renfermons la lumière de Dieu. Mais l'épisode qui vient après le début, lui, nous renvoie à la dimension sexuelle de la chair, puisque les fils de Noé vont être confrontés à une situation qui est source de malédiction pour eux,
à savoir qu'ils vont voir la chair de leur père. Et celui qui n'aura pas, justement, été sensible au caractère sacral du corps humain, et donc qui est Cham, eh bien, il va être maudit. Alors que les autres frères vont faire tout leur possible pour faire en sorte que la chair de leur père reste invisible. Évidemment. Parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit ici de la chair qui donne la vie. Or, de même que je n'ai pas le droit de manger la chair avec la vie, je n'ai pas le droit de voir la chair qui donne la vie. Parce que ça, c'est divin. Cela renvoie à la transcendance divine, et ça s'appelle le sacré, et par conséquent, cela relève de l'invisible. Et donc, Cham, lui, a eu un regard banal sur le corps de son père. Il a oublié que c'était le corps de son père. Et donc, il a oublié le mystère de la filiation, celui de la transmission de la vie. Il a donc oublié les relations divines qui unissent le père au fils et le fils au père et l'ensemble des parents. Et donc, il a posé un regard profane sur la chair de son père et pour conséquence, eh bien, il sera maudit, non pas lui-même, il sera maudit dans sa paternité et cette malédiction retombe sur son fils. Donc, c'est cet épisode terminal est comme un appendice, une variation sur la sacralité de la chair comme réceptacle de l'invisibilité divine. Et ici, bien sûr, ça s'appelle tout bêtement la pudeur. C'est de reconnaître que les parties du corps qui ont une fonction sacrale doivent être gardées invisibles pour être reconnues comme telles. Sans quoi, c'est le corps qui est dégradé dans sa véritable signification. Alors j'ai déjà fait, bien sûr, mention du Christ qui nous donne précisément sa chair à manger. Il nous donne sa chair à manger en ce sens-là. Il absorbe et dépasse, bien sûr, l'alliance noachique, il la réalise, et c'est très important parce que le fait que le Christ nous donne sa chair à manger semble être un double profanation. Une profanation d'abord parce qu'il s'agit de la chair d'un homme, pour le coup, et pas d'un animal, et ensuite il s'agit de la chair avec son âme, précisément. Alors même si, je précise, dans la liturgie, le fait que le pain et le vin soient distingués symbolisent la séparation du spirituel et du charnel dans le Christ. Sauf que nous consommons des deux, c'est-à-dire nous les consommons réunis à nouveau. Et donc c'est une double profanation puisque nous mangeons une chair humaine et nous mangeons le souffle de vie dans la chair du Christ. C'est une double profanation dans la mesure où on le rapporte à l'interdit, bien sûr, noachique. Mais en fait, il ne s'agit pas d'une profanation, il s'agit d'une récupération profonde de l'interdit noachique. L'interdit ne vaut que par rapport précisément à ce qui n'est pas réellement sacral. Mais comme il s'agit ici de Dieu, alors la consommation de la chair du Dieu homme et la consommation de son souffle, c'est tout l'inverse. C'est la surdétermination de l'importance de la chair et de la vie à l'intérieur de la chair comme médiation de notre union avec Dieu. Et tel est le sens profond, en réalité, de l'interdit noël. Allez dans la paix du Christ. Thank you.